The book of Matthew, chapter 9, verse 18. While he was saying this, a ruler came and knelt before him and said, "My daughter has just died, but come and put your hand on her, and she will live." Jesus got up and went with him, and so did his disciples. Verse 23. When Jesus entered the ruler's house and saw the flute players and the noisy crowd, he said, "Go away. The girl is not dead, but asleep." But they laughed at him. 25. After the crowd had been put aside, he went in and took the girl by the hand, and she got up. 26. News of this spread through all the region. This is a Wednesday service at Kingship International Ministries, and the man of God is preaching on the theme, "Every miracle that God does is to reveal His glory." Most of the time, God will allow your mother to reach the top level. Right? I repeat, your ideas must end. You should know that it is really more than human or natural action. Then God will appear. And then you will testify. In the middle of the message, all eyes started looking towards the main door. What is happening? A taxi has just arrived with a case that is lifeless. You can hear the sister of the victim shouting, "Jesus, Jesus." Immediately, the man of God suspended the service and rushed out to rescue the soul that demonic forces have just collected. Inside this taxi is a woman that has just given birth to a bouncing baby boy and the devil struck. She has been rushed from the hospital because her problem is spiritual and not medical. I cancel the power of God in your life in Jesus' name. Come back to life. Come back. Come back to life. Come back. Come back. Come back. Come back. Come back. Come back. I call your name. Come back. Come back. Devil, you are a small liar. You demons of God fucking. You demons of God fucking. I don't die against you by fire. Fire! Don't die against you by fire. Fire! 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 The man of God, Prophet Frank, is calling back the spirit of the woman from the land of the dead to come back to the land of the living. After some minutes, she started responding because the team of God intercepted her soul in the realm of the spirit to reveal His glory. The man of God is seeing an occultic group that has gathered and is sucking the blood of the woman. Her teeth that are already tight are loosening gradually. Her tongue that was bitten and swallowed poked out to show that her spirit is coming back. The man of God, Prophet Frank, intensified prayer. After intensive scriptural prayer, she moved her hands and her breathing started getting stable. To God be the glory. The prophet and the church began singing and praising God for this miracle of bringing back the dead to life.
The man of God and his sons went down on their knees to continue worshiping God for revealing his life-giving power. Surely, God brought this case to use as a practical demonstration of the message that his servant, Prophet Frank, was preaching under the theme, "Every miracle that God does is to reveal his glory." With the help of a spoon, her clenched teeth were kept apart so that further damage should not be done on her tongue. Directed by the Holy Spirit, the man of God breathed into her mouth, and immediately he did so, her teeth loosed and her cardiac rhythm became normal. Another phase of prayer was launched to completely disconnect her from the kingdom that wanted her dead. The entire church was also interceding. This is how Jesus Christ wanted Peter to take care of his sheep. It takes the love of God to fight for the life of another person that you do not even know, because this woman has been brought to Kingship International Ministries for the first time. This is a powerful manifestation of the Great Commission. When the prayer became very hot, she was completely released and immediately she opened her eyes. The devil has failed again. Life has fully been restored to this woman by Jesus Christ through Prophet Frank. A few minutes ago, this woman was dead, but God has brought her back to life to prove that he is the same yesterday, today, and forever. With all humility, Prophet Frank went down on his knees and worshipped God for instantly proving his aliveness and increasing the faith of all and sundry. To crown it all, she stood up and walked by herself into the church. In the book of the Acts of the Apostles, chapter number 20, verse 7 to 12, Apostle Paul prayed and Eutychus came back to life. In 2 Kings, chapter 4, verse 32 to 37, Elisha prayed and a Shunammite's son came back to life. Today, by the special grace of God, Prophet Frank has prayed and Madame Jeanne has come back to life. Jesus lives.
these two images, and your faith will be uplifted. Our God is a good God. This is what the French calls le revenant, returning from the dead. God is not a God of half measures. She has been restored with her reasoning faculties. You can hear her responding to the questions of the man of God. This is a lovely child that she delivered. But what happened? Her other sister explains that she gave birth normally and suddenly her body started swelling and she went into a coma. She says she took her and was rushing to the church and she gave up on the way, but she kept on shouting the name, Jesus. Those that are spiritual are led by the Spirit. She explains that when she got to the hospital, her sister was dying and she has to rush her to Kingship International Ministries. The prophet sealed her deliverance in the name of Jesus Christ. You will live about 70 years. You will not lose your time. The entire church went down on their knees to appreciate God for His mercy. Only Jesus can save. Since this lady delivered, nothing has entered her stomach, and this explains why she is weak. You can see her drinking milk in the land of the living. The devil is a liar. As a mother feeds a child, Prophet Frank is feeding this woman with the love of God. Her whole body, especially her legs that were swollen, have gone down instantly.
Hallelujah. If you are celebrating with Jesus Christ, can you put your hands together for mighty Jesus? Some few days later, Madame Jeanne came back to testify to the glory of God, looking strong and healthy. Amen. If you remember this woman, can I see your hand? Let me see your hand. You see how now she is introducing people from far distance. Rest of. Hey! A woman that was just come back alive. Clap for Jesus Christ. From a very far distance, she's introducing people. Hey! Clap for Jesus Christ. Clap for Jesus again. I am joyfully made. I belong to God. I belong to Him. I am wonderfully made. Joyfully made. I resemble God. Je n'avais pas la contraction. Je ne savais pas que je devais accoucher. Quand je suis arrivé à l'hôpital, le médecin m'a consulté. Il m'a demandé de rester, que je ne peux pas rentrer. Je lui demande pourquoi. Il dit que non. Il va prendre total contrôle. Quelques minutes après, il place sa perfusion sur ma main. Je suis resté à l'hôpital. J'appelle ma grande-sœur chérie. Je lui dis que, tata, comme tu vois, le médecin a demandé que je ne rentre pas. Par exemple, je suis seule à l'hôpital. Je ne sais pas si tu peux venir me trouver. Elle a envoyé les enfants de venir rester avec moi. J'étais avec les enfants à l'hôpital, aux endroits de 19 ans. J'accouche sans problème. Je suis sortie de la salle d'accouchement. J'arrive en salle. Quelques minutes après, je commence à me sentir mal. Je dis au médecin que je sens mal, je ne sais pas ce qui ne va pas. Il me dit que non, ça va passer. Il a prescrit les produits, j'ai pris. Jusqu'à là, je ne faisais que sentir mal. Quelques secondes après, j'appelle ma soeur, je dis que mais ça ne va pas. Il faut que tu viennes me voir parce que la façon que je sens mal, je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. Elle est venue me voir. Je dis que, mais qu'est-ce que ne va pas? Je dis que je ne sais pas. Elle a fait de son possible, il n'y avait pas de problème. Je suis restée passer la nuit, le lendemain. J'ai même demandé aux enfants de me chercher à manger, ils ont cherché à manger, j'ai bien mangé. Mais après le repas, tout me demande encore ce qui s'est passé, je ne sais plus. Jusqu'aujourd'hui. C'est elle qui connaît la suite. She explains that she delivered normally. But some few minutes later, she started feeling pains in her stomach, and after some time, she could not remember what happened. Thus, immediately she delivered, demonic forces took over and wanted to terminate her life. It came like this to the church. I had to wait service. One soul is important. I love the service who rush outside there in the taxi for emergency. Don't worry, you'll see the image, because the Lord told me they should carry her out so that His glory will fully be revealed. This is how Madame Jeanne came to Kingship International Ministries, in it, lifeless, motionless. As she watched the image,
She is surprised. The entire church is watching with unshaking faith. This was a situation between life and death. Watch at your screen how God Almighty is bringing back the woman to life through his anointed servant, the man of God, Senior Prophet Frank. It's because the teeth were already tight, so there were no way to open again, so we are forcing it as prayer was going on. This one, a Wednesday service, so as you don't carry Wednesday like that, Wednesday carry you. God has to go to the world of the day bringer. When you hear the words, as I was praying, the word was according to what God was showing me. You hear how the situation was, how God showed the occultic group. The occultic group I gathered, I was already sucking her blood. Sucking her blood and knowing that she's already gone. I cancel the power of God in your life. Come back to my. Devil, you are a small liar. You demons of God fucking. I don't against you by fire. Fire! Don't against you by fire. Fire! 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 Hey! Something happened! Fire appeared among them! They had to scatter. Blood for Jesus! Hallelujah! I said, Lord, you told Abimelech to go to Abraham. And you specified that Abraham is a prophet. And when Abraham will pray for Abimelech, he will know that. Father, if I be your prophet, I stand this gap. This woman will not die. He will not die. And Almighty God, well, all of us, you see how we're on our knees. God answered, no, God is faithful. It is to show you that Jesus is alive. I say, this is how introducing people now like this. Clap for Jesus Christ. If God did not, why should just fire you here? If God did not hand this woman's heart and say, Pad Hospital, Sasenepa Hospital, Iglesias. Praise the Lord. Praise the living God. The Lord is good. And all the time, notre Dieu est vivant. Mardi matin, je me suis levée, je suis allée à mon boulot comme d'habitude. J'arrive au boulot aux environs de 16h. La petite Jeanne, ma petite soeur, elle m'appelle. Elle me dit, Tata, je suis à l'hôpital. Je dis, mais tu souffres de quoi? Elle dit, je ne sais pas. Mais je suis internée, je suis sous perfusion. Je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Il y a l'embouteillage, je ne peux pas te retrouver à cette heure-ci. Bon, j'appelle chez moi. Je ne peux pas joindre les enfants, tu appelles à la maison pour que les enfants viennent te retrouver à l'hôpital. Entre-temps, donc, j'ai appelé à la maison. Mes filles ont pris le téléphone, j'ai dit, allez retrouver Tata Jeanne à l'hôpital. Elles sont allées à l'hôpital. Aux environs de 18h, j'ai réussi à traverser, j'arrive. Je descends là-bas, je trouve la fille, elle avait déjà accouché. Il dit gloire à Dieu. Et puis qu'elle sexe un garçon. Parce qu'elle avait déjà trois filles, elle n'avait pas de garçon. Il dit gloire à Dieu. Clap for Jesus Christ. Nous étions dans la célébration de la naissance. Moi, je ne savais pas ce qui m'attendait. Bon, j'appelle le médecin, je dis qu'est-ce qu'il y a, tout va bien. Donc, il me dit tout ce que je peux te conseiller, madame, c'est d'observer cette fille. Je dis observer comment? Il me dit, je peux seulement te dire comme ça. Il n'a pas décodé. Moi, je n'ai même rien compris. J'ai seulement passé ma soirée avec les enfants. J'ai acheté le poisson, le yaourt, tout ce qu'elle pouvait prendre. Elle a même refusé. Mais tout ce que j'ai pu entendre, c'est qu'elle me disait seulement, je suis fatiguée. Je la regrette une fois la fille mourante.
Je dis, mais donc, elle est en train de mourir. Elle me dit, madame, laisse ça se reposer. Je dis, mais ça, c'est pas le repos. Je vois la mort. Le docteur me dit, non, madame, c'est parce qu'elle a fait une première crise. Elle est en train de récupérer. Je dis, ça, ce n'est pas un sommeil. Ça, c'est le coma qu'elle est en train d'entrer. Le docteur dit, qu'est-ce que tu veux que t'en fasses? Je dis que moi, je vais la sortir de l'hôpital. Donne-moi le rapport de tes factures. Il me dit, tout a été déjà payé. Je dis, c'est pas un problème. Je demande au taxi, aidez-moi, s'il vous plaît. Nous avons donc embarqué tout. J'ai versé les trucs derrière le taxi. Je me suis assise à la malle d'arrière et la petite s'est assise devant avec le bébé. J'ai mis mon sac à main sur mes cuisses comme l'oreiller et on l'a couché sur moi. Dès qu'on arrive au couloir, j'ai dit, Seigneur, quelle est la première initiative? D'abord toi et le reste on verra. J'ai pris la direction, j'ai dit kinship. Dès que nous avons pris à partir de Ouélé au rail pour remonter ici à kinship, arrivé au niveau du carrefour musique. La fille, elle secoue les pieds comme ça, comme on égorge le poulet et il retentit les pieds là. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, tu ne peux pas mourir entre ma main jade. Je refuse ça. Je ne peux pas mettre deux corps à terre dans un mois dans une famille. Je refuse. J'ai dit que tu ne peux pas mourir. Elle gesticule, elle tire, elle tourne les yeux. Her other sister explains that on the way while coming to the church, she started stretching her legs and her eyes went up. But she kept on shouting the name Jesus. Je commence à crier. Je dis Jésus. Je dis Jésus. Satan, tu ne peux pas me faire honte. Satan, tu ne peux pas me faire honte. Je viens contre tes plans et tes programmations. Je rejette et je rejette au nom de Jésus. Je dis chauffeur, accélère. Le chauffeur, accélère. Je dis accélère, ne peux pas mourir. J'essaie d'envoyer mes doigts pour caler les dents parce que les dents étaient déjà en train de se coincer. Je n'avais même pas l'opportunité de trouver un morceau de truc. J'ai même voulu arrêter mon téléphone, c'était déjà tombé. J'ai essayé d'envoyer la main, je dis accélère. Dès qu'on arrive ici à l'église, le tassement tourne la malle arrière de la voiture. Je crie, Seigneur, au secours, sauvez-moi, les dents sont déjà en train de se coincer. C'est comme ça que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu sont sortis, l'homme de Dieu et tous se sont réunis. Nous sommes venus me récupérer la fille entre les mains. Quand je suis sorti, je ne peux pas vous dire, moi aussi j'observe comme vous parce que je ne sais pas où j'étais, je ne sais pas ce que je faisais. Ce que je sais, c'est que je versais seulement les pluies, la prière comme la pluie. C'est tout ce que je sais. Donc, comme vous êtes en train de voir le film, c'est ainsi que cela s'est passé. Clap for Jesus Christ. Are you hearing? She knew what was after their family. Clap for Jesus Christ. Connaissait ce qui est en train de tuer dans leur famille. Elle savait que ça, ce n'est pas hôpital, je connais. Ça a d'abord tué un, voilà, ça va prendre encore l'autre. C'est spirituel. Non! Ça, c'est spirituel. Are you hearing? People, many will talk too much English. You know, the doctor have to do stomatology. I say, ah. They will talk only English, go very person. Just after the prayers of the man, rise up. You can see the miracle working God at work. This innocent child will grow to remember how God saved him from orphanhood. And when they miss it like this, when aquatic people, when they miss it, I don't know what happened with them. As they don't Christian, they go kill this girl. As they don't kill this girl, a lot of things happen there. Leave it to God. They will not drink your blood. They will not drink your blood. I say you will not, they will not touch you before 70 years. You will live above 70 years to declare the goodness of God. In the name of Jesus. Il a fait le travail. Clap for Jesus, clap for Jesus. Amen. Amen. Et comme le Seigneur Jésus-Christ vous a sauvé, personne ne peut vous toucher au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas vivre longtemps, diriger des fruits de tout le travail et témoigner la bonté du Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Father, thank you. Clap for Jesus. Dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci, d'avoir sauvé ma vie. Sauvé ma vie, merci beaucoup.
d'avoir sauvé ma vie. Merci d'avoir sauvé ma vie, merci Seigneur Jésus. Amen. Ah, tu veux chanter? Ok, chante. Amen. Je veux remercier mon Dieu parce que je sais qu'en lui toute chose est possible. Et je voulais profiter aussi de l'occasion pour dire au peuple de Dieu qui sont ici, devant toute situation ou quel que soit ce que vous faites face, ne baissez pas les bras. Dieu est vivant et il existe parmi nous. Moi, je sors d'une famille bamileke. Et puis chez nous, les bamileke, on adore beaucoup plus les crânes et les rites. Et puis on ne croit pas aux choses de Dieu. Si cette fille était décédée, ma famille devait m'accuser de l'avoir amenée dans une église pour la sacrifier. Mais je rends grâce à Dieu qui a élevé cette honte. Et puis je veux dire à Dieu, Seigneur, que le travail qu'il a commencé dans ma famille, que ce ne soit pas seulement pour ma famille, mais que ce soit pour tout le peuple de Dieu ici présent. Et ayez le courage. La fortune. Alléluia. Mais je voulais que la chorale m'aide pour ce chant. En son Oh,